السلام عليكم. هذا فيديو جديد باش نعملو كالعادة، باش نحكي على الانكلوزيون، كيفاش اون في انكلور ان تمبليت ولا ان لاي اوت. دكور، دونك باش نقدم شوية. دونك جو في كالعادة بارتاجي مون اكران. دونك ابخي افواغ بارتاجي ليكران، دونك جو في فو مونتخي كومون اون في انكلور un layout d'un administrateur. D'accord? Donc, je vais faire l'inclusion d'un dashboard administrateur et après, on verra bien qui fait le dashboard avec Fishing Jumia. Généralement, il y a application fait un admin ou des utilisateurs au green. D'accord? Donc, mais l'admin dit même aujourd'hui. Donc, on va créer un dashboard trace pour l'administrateur et vous faire montrer comment ça se passe. Donc la première chose que je vais faire, donc Andy, un exemple un dashboard, d'accord. Donc un dashboard avait bien sûr mis le site Bootstrap, donc getbootstrap.com. Faites les exemples, d'accord. Donc vérifiez bien que vous êtes sur la version, la bonne version de Bootstrap, d'accord. Un exemple de dashboard je vais utiliser, d'accord. Donc le dashboard avait, d'accord. Donc dashboard avait, je vais l'ajouter. Bien sûr, Thomas, vous êtes libre d'utiliser le dashboard et les tabouali. Donc venez bien une option simple avec juste je vais changer le barre d'adresse pour qu'on ait avait. Donc on joue en bas de la barre d'adresse. Donc je vais commencer par copier le code source dans le fichier avait, d'accord. Donc il suffit de cliquer sur, avec le bouton droit sur la page et view page source, d'accord. Ctrl A pour tout sélectionner et Ctrl C pour copier. Donc je me suis l'application Terry. Donc au niveau du dossier ressources, first dossier views, d'accord. Je vais créer un layout pour la partie administrateur. Donc l'administrateur, je vais le layout Terry, d'accord. Donc je vais le new file là, je vais mettre admin.blade.php. Donc, c'est le layout de l'administrateur, la partie administrateur. D'accord? Donc, avant de faire ça, donc, je vais annuler la KVA. Je vais mettre une branche. Je vais faire. D'accord? Donc, je vais créer une nouvelle branche. Je vais mettre admin template. Voilà, donc un état où je suis dans la branche. Je vais faire la synchronisation. Donc, il y a quelqu'un sur remote, toute la branche m'ajoute. Donc, je vais m'assurer, mais la clé est heavy. Donc, je vais aller sur github.com et je vais vérifier dans le projet qu'il y a une nouvelle branche qui a été créée. Voilà, donc la nouvelle branche, la voilà, admin template. Ben. Donc c'est bon, la branche elle est là. Donc, au niveau de ma branche, je vais créer le fichier qui m'a fait amener. Donc, admin.blade.php. Donc, dans lequel je vais coller le code source, le code source de, que je viens de copier mais l'Internet. Donc, pour pouvoir visualiser le template, et bien sûr, le fichier layout, je n'ai tout le fichier autre. Donc, à chaque fois, je à l'administrateur, on dit layout, on l'administrateur, donc, je vais créer le dossier views, un nouveau dossier, je ne sais pas, admin. Ah, il est là déjà. Donc, on dit un dossier, ismo admin, je vais les views, on l'administrateur. D'accord? Donc, pour ce dossier, je vais créer un fichier. D'accord? Donc, je vais mettre dashboard.blade.php. Donc, le dashboard.blade.php, c'est le dashboard administrateur. D'accord? Donc, on va faire juste include. Donc, on va faire un simple include. On a le fichier. Donc, include. Et add. Donc, je vais faire ayahat. Donc, include. L'auto-save, auto-save,
Je vais éliminer, désactiver l'autosave, je marche pas là. Donc, include layouts point admin. Donc, juste une remarque là, je suppose que les fichiers Blade, عندكم, je crois, les متلقاوش, les directives, le Blade, متلقاوهمش colorés, comme hack. يعني par exemple كي تمشي للويلكم ما تلقاش هذه اكستاند وسكشن فور ايتش ما تلقاهمش بالكولور. ما عرفش سي جو زي بارلي دو سا ولا لا، مي فما اون اكستنسيون داكور جو مو رابيل بلوس كي حكيت عليها. دونك فما اون اكستنسيون اسمها بليد لارافيل بليد سنيبتس داكور. دونك هذه فو لانستالي بور بوفوار utiliser pour pouvoir retrouver les couleurs في البلاي. Donc كيف كيف تو نحب نعمل include il suffit de mettre b de point include et je peux utiliser la syntaxe نتاع البلاي. Donc je ne sais pas je me rappelle plus كان حكيت عليها ولا en tout cas كان ما حكيتش عليها voilà. Donc je vais faire appel نتاع layout point admin لهنا d'accord. Donc هذه page dashboard c'est un fichier نتاع c'est une interface ما بين les interfaces نتاع l'admin. Donc هذه l'inclusion de layout ben. Donc je n'ai jamais chauffé le dashboard d'ailleurs, donc je me suis le fichier de route d'accord et je vais créer une nouvelle route d'accord. Donc route avait get d'accord. Donc on l'utilisateur l'admin régie un request pour l'admin. Donc on va définir une fonction de callback d'accord. Donc j'en roule raja le view il est ismaha admin.dashboard voilà. Donc tawa le serveur il est là. Donc on va lancer l'application. Donc ça va être localhost 2.8000 get does not exist. Voilà. Voilà. Ben, donc là, on fait slash admin. Voilà. Donc, le dashboard que je viens de copier. Donc, bien sûr, il n'est pas mis en forme, alors je dois le mettre en forme. Donc, je vais taper le code pour faire l'intégration dans le layout. Donc, je vais dit le code. Donc, je vais le suivre petit à petit. Donc, le dashboard, l'administrateur. Donc, l'administrateur. Donc, je vais mettre le code. Donc, on dit le lien de Bootstrap. D'accord. Donc, un Bootstrap, quand tu déclenches, je l'ai en local. D'accord. Donc l'app m'taï, donc le Bootstrap, d'accord, le style, d'accord. Donc il me suffit de copier le lien d'accord, et remplacer le lien limojoud l'application, d'accord. Donc rien que ça, donc si j'actualise, déjà normalement c'est bon, il commence à prendre la forme. Ouais. Donc, je mets l'autre. Donc, les icônes, j'ai fait 5 icônes. D'accord. Donc, les icônes, j'ai fait 5 icônes. Mais je crois que je ne veux pas utiliser 5 icônes. Apple. Où est-ce qu'il est en train de les utiliser? Ben, allez, les icônes, on a déjà l'ombardé. Donc, bref. Les icônes, donc normalement, les icônes, j'ai fait un coup de mille, donc je peux en bas. Donc, on dit la partie style. Donc, style, on dit un style qui est défini. Là. En plus de ça, on a un link custom style for this template. Donc, je vais appeler, je vais chercher le fichier dashboard.css. D'accord? Donc, j'ai là. Donc, je trouve dashboard.css. Je clique à lire, il y a le code CSS dans le fichier avec le dashboard. D'accord? Donc je vais le copier. Donc je vais aller sur le CSS, ressources CSS. Je vais créer un nouveau fichier, je vais le nommer dashboard.css. Donc
New File, je vais nommer dashboard.css, donc dans lequel je vais mettre le code CSS que je viens de copier, donc avec custom juste pour vous parler à d'accord, donc et je vais copier le style هذا je vais mettre au le fichier CSS que je viens de créer un seul fichier fait le code كامل. Ben, donc avec le fichier CSS donc je vais remplacer tout ça. Donc le fichier CSS, il faut qu'il soit compilé, d'accord? Donc le fichier CSS dashboard.css, il faut qu'il soit compilé ou ajouté sur le dossier public, d'accord? Donc le dossier public, c'est le seul dossier qui sera public. Donc je vais le compiler et le mettre dans le dossier public. Donc quand on décroche la carrière qui n'a fait pas donc on met la documentation, le front-end, compiling assets normalement. Il y a tini qui fait je n'écris plain CSS, d'accord? Donc work with style sheets, quoi plain CSS. Donc il y a quand même écrit un CSS, les mots tartis les mix, d'accord? À travers un tableau, d'accord? Un tableau fi le code CSS li باش نخدمو تو دونك اذا كان عندي بليزيور فيشي CSS نجم يعمل الميكس نتاعهم مع بعض دونك باش نجي لهنا في الميكس دونك نقولو mix.styles ونعطي لو كود دونك جو في كوبي هذا الكل دونك لو فيشي mix.style دونك نمشيو للويب pack.mix داكور دونك ديجا هي موجوده لهنا دونك باش نقولو جوست لهنا dashboard.css هذايا. Donc voilà, tu as dit que tu allais à Rebel. Donc je crois que tu vas copier dashboard.css et la rade à public.css. D'accord? Donc, hacker, public.css. Voilà, je vais faire un fichier. Donc, je vais faire un fichier. Je vais faire un dashboard.css. Ben. Donc, l'avantage ici avec le style, si j'ai plusieurs fichiers, voilà, ça met au admin. Hein. Donc, si j'ai plusieurs fichiers CSS que je vais les mixer, je vais les fichiers Wahdo, trace de l'administrateur. Ben. Donc, je vais choisir le mix, bien sûr. Je vais lancer la commande suivante. Donc, PHP Artisan. Ça m'a dit PHP Artisan, mais plutôt npm. Run dev. Donc npm run dev, elle va faire la compilation et le mix entre les fichiers. D'accord. Donc on va attendre que npm run dev finisse le build. Voilà. Donc vous pouvez voir il charge les un fichier ismo admin css. D'accord. Donc même si le public css نلقى un fichier اسمه admin.css voilà donc هذا le fichier admin.css خرج بنا donc supposons que j'ai plusieurs fichiers css لهنا اللي زدتهم donc vous pouvez voir لهنا هذا في documentation donc نجم في styles تعطي plusieurs fichiers css d'accord supposons l'admin عنده d'autres fichiers css que je vais utiliser d'accord ben نوريكم اكزامبل باش تفهموني مليح كان نذكروش الكود هذايا جو لي كوبيي وحدو داكور دونك هذايا جو في ليكسترناليزي في ان اوتر فيشي دونك سي اس اس جي لهنا في الغسورس جو نقول له ادمين اكسترا بوان سي اس اس ان اوتر فيشي تاع الادمينستراتور في الكود هذا داكور دونك le code avec fait je le mixe mal l'autre donc je vais les fichiers de style que je vais mixer donc je vais créer un tableau là je vais un tableau d'accord donc on dit le ressource.css avec on dit mal ressource.css on dit un autre fichier donc il y a extra.css donc il va faire le mix entre les deux fichiers. Donc, je vais faire les fichiers
Il est ismo admin.css. Donc, je vais relancer la commande une autre fois. Donc, je vais attendre qu'il finisse le build. Voilà. Donc, tout s'est bien passé. Donc, vous pouvez voir, il y a deux fichiers CSS. Un est ismo admin extra et l'autre est ismo dashboard. Les deux ont été mixés. Je fais fichier un est ismo admin.css. D'accord? Donc, les deux fichiers, moi je dis le contenu, moi je dis là. Voilà. Donc, l'utilité de le mix. Ben. Donc, c'est CSS, je nous en ai le tower. Donc, je crois que tu vas remplacer Heather par le fichier CSS. D'accord? Donc, qui fait je link, asset, le dans custom style, asset, app, mais plutôt admin.css. Donc, le public. CSS, on dit un fichier admin.css. Donc, on va le CSS. Donc, je vais actualiser. Voilà. Donc, vous pouvez voir la mise en forme. Donc, la mise en forme déjà de Badlet. Ben, on avance. Donc, c'est le contenu. Donc, je crois qu'il y a des fichiers JavaScript en bas. Voilà, donc avec le jQuery, j'ai CDN, d'accord. Normalement, je l'ai, jQuery, il est majoud dans le public, normalement, si je cherche jQuery, voilà, donc majoud, le jQuery, il est ajouté dans le fichier public inter, d'accord. Voilà, donc jQuery majoud, donc je peux le laisser qui m'a donc je peux le laisser qui m'a majoud avec le CDN, il n'y a pas de souci. Qui m'a je me bats du temps, kif les CDN, donc le problème c'est avec ce fichier JS. Le fichier JS, là, majoud. D'accord? Donc je n'ai le code source. D'accord, donc tout en bas, on a le fichier dashboard.js. Donc si je clique sur ce fichier, je vais avoir un code JavaScript. Donc je vais copier ce code-là. D'accord, donc et je vais le mettre dans la ressource JS. Je vais créer un nouveau fichier. D'accord, donc je vais s'amener dashboard.javascript. Donc dans lequel je vais coller le code head. Ben, donc, avec le code, il est fichier de dashboard. Donc, quelle est la documentation? Donc, le compiling asset, il est can working with JavaScript. D'accord? Donc, le mix, t'as le JS, vanilla JS. Donc, je peux utiliser plusieurs scripts. D'accord? Donc, je peux faire le mix, t'as plusieurs scripts. Là, j'en fais un fichier. JavaScript, ouais. Donc la même chose que je venais de faire avec le CSS, donc je fais avec le JavaScript. Donc point script. Donc c'est ce que je vais utiliser. Donc je n'arrange le Laravel mix le webpack. D'accord? Donc à part SAS ou script ainsi de suite, donc je vais ici, je prends le point script. Donc qu'est-ce que tu vas mixer? Donc tu vas mixer le dashboard que je viens de créer, Tawa. Donc dashboard.js, tu vas l'extraire dans admin.js. D'accord? Donc l'admin.js. Donc là, il va faire kif-kif le mix entre les fichiers JavaScript. Donc, on va relancer la commande npm run dev pour qu'il fasse la compilation et le mix, t'as tout ce qui est CSS, JavaScript, ainsi de suite. Donc, là, j'ai une erreur. Une erreur qui consiste à quoi? A reference script is not defined.
Webpack Fellini 5. Webpack Fellini 5. Ah oui, il manque un point. Point script. Je vais relancer. Mais on verra bien si ça va se passer ou non. Voilà. Donc, compile successfully. Error, not such file or directory. Dashboard.js, public. Il y a un problème, je crois. Public.js. Ah oui. Il y a un problème. C'est ressources, c'est pas public. Donc, ressources, slash.js, slash.dashboard. Je m'excuse, fortuit. Donc, ressources, slash.js, slash.public. On charge fait le public point. Ressources, slash.js, slash.dashboard. On charge fait le public, slash.js, slash.admin. Alors, je vais relancer le mix. J'espère que ça passe cette fois. Voilà, parfait. Donc, caca, le mix, ça. D'accord? Donc, vous pouvez voir, il y a un diff public, un fichier esmoadmin.js qui contient le code de la JavaScript. D'accord? Donc, l'admin.js, je ne remplace pas le D'accord? Donc, il y a un asset. D'accord? Donc, je vais prendre le même code, l'istamana. Voilà, script derrière. D'accord. Alors, je vais utiliser le même code, sauf que je vais remplacer le mot app par le mot script. Ligne, j'en ai plus besoin, donc là, je me fais ça. Donc, je reviens vers mon dashboard, j'actualise. Il y a un problème. Console. Dashboard.js. Il y a un problème, je crois. Asset.js, dashboard.js. Ah, c'est pas dashboard, pardon, c'est admin. C'est admin.js. Netdiffer, elle sert à rien. J'actualise. Voilà. Vous pouvez voir que c'est bon. Mon dashboard a été intégré convenablement. D'accord? Mais donc, bien sûr, il y a la partie admin. Je vais vous montrer après comment la contrôler. Alors, je suis la partie admin, je suis la partie le dashboard de l'user. Donc, tout d'abord, je vais remplacer le navbar. Il y a deux navbars. Il y a un navbar, l'administrateur. Ou un autre navbar, l'utilisateur. D'accord? Donc, je vais créer un navbar commun, Huabidu. D'accord? Donc, je vais le même navbar que j'ai utilisé dans l'app. D'accord? Donc, là, dans l'app, il y a un navbar, la barre de navigation. La barre de navigation, je vais utiliser l'admin. D'accord? Donc, au niveau de mon dashboard administrateur, je ne vais pas utiliser une autre barre de navigation. Comme vous voyez, là, on a une barre de navigation. L'admin ou l'autre à l'utilisateur, donc c'est pas logique. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la barre de navigation à dire, donc je vais la copier, couper plutôt. Donc, le layout là, je vais créer un nouveau fichier. Donc, je vais s'amener navbar.blade.php. Donc, et je vais coller le code de Voilà. Donc, je vais coller le code de donc le code de navbar, je le colle ici. Donc, tawa, au niveau de mon navigation, donc je vais utiliser une instruction blade, include. Donc, je vais include le layouts, le fichier navbar.
D'accord? Donc, je vais inclure le fichier Navbar sur le place AD. D'accord? Donc, et je vais utiliser cette même instruction l'administrateur. Donc la partie nav dans l'administrateur, je vais inclure navbar. Donc, je vais copier avec le code de cette façon-là. Donc à quelqu'un. Donc là aussi j'actualise normalement le navbar fourni et puis le bête. Voilà, donc navbar bête. Il y a un petit problème, on va le corriger. Share export, on a quelque chose qui ne va pas ici. Là, on a quelque chose que je viens de rater. Je crois que j'ai raté quelque chose. Donc, le navbar est apparemment marqué dans la zone. Save integration reports. Ah oui, j'ai éliminé le navbar. Le mauvais navbar. C'est le sidebar. Je m'excuse, je l'ai copié dans le mauvais endroit. Donc, il y a le navbar, je ne sais pas de l'hand. Voilà. Donc, c'est le sidebar, il y a le jnab. Et j'actualise maintenant. Navbar le Fouqani. Donc, juste, il y a un problème de synchronisation, on va le voir. Donc, juste, j'ai la classe, je vais la copier qui m'a rien. Je n'ai pas le navbar m'taï. Je ne sais pas déjà c'est quoi la différence. Je colle pour juste voir la différence. Je n'ai pas les Z. Flex, non, rap, c'est les Z. Le poids d'un 0, ça, c'est pas un problème. Donc, je passe à l'île Lola. On passe à l'île Lithania. On va dire. On va dire. Voilà. J'actualise. C'est bon, ça marche. Donc, juste des petites rectifications comme le home. Navbar sticky top. Navbar blanc. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc je dois le corriger. Donc juste, je vérifie. Comme Hajet, moi je kiffe les deux navbar, moi je kiffe, donc on doit les vérifier. Mais je fais ce que je fais. Je vais faire ça. Et je vais essayer de corriger le problème avec. C'est pas dans app, c'est plutôt dans navbar admin. Navbar admin. Donc, navbrand. Bon, on verra bien, je vais tenter avec ça. On va vérifier ça. Bottom collapsed. Call MD3, call MG2.
Si on fait, je fais deux nombres séparés. Bon, je vais prendre les juste, je vais faire la partie navigation au cas où. Nav, number nav, sign out, left side. On va essayer de vérifier. Donc, le container analysé du valet. Je vais éliminer le container je vais éliminer le container je vais éliminer l'inévi je vais tester avec okay. الكولابس ما حبش تتعدى ما شوية وسابع الحكاية كلاس كونتينر نظمر براند input هذا نسحب الروج البوتن كولابس نظر كولابس البوتن نفر تابل ترى سي اون كوبي الكود هذا لهنا اون اكتواليز اون فيريفي ça n'a pas marché. Slash admin. Container float. Mais en tout cas, je vais donner, je vais pas vous perdre le temps. Le code après. D'accord. Donc, on va dire que nous allons accéder à la vidéo. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le push. Normalement, c'est bon. Juste, donc, c'est l'intégration d'un dashboard d'administrateur. Donc, on verra bien BAD qui fait on le manipule. Donc, je vais faire le push d'administrateur. D'accord? Adding. Admin dashboard. Admin dashboard. Donc, je vais faire le push à Redmontary. Voilà. Donc, j'actualise. Donc, on dit admin, on dit je vais mettre la pull request donc new pull request donc add donc able to merge il n'y a pas de conflit donc, create pull request checking the ability to merge automatically normalement c'est bon voilà donc confirm normalement c'est bon. Le merge SR. D'accord? Donc, le code taille. Donc, les trois branches taille. Déjà, les deux sont mergés.
D'accord. Le pull request, j'ai pas de pull request. Le code, il est up to date. D'accord. Donc, Tawa, le code, si je reviens sur le master, donc je colle le master de Nakos. Le master, le commit, ça le master. Normalement, le pull request, voilà. Donc là, le pôle de master. Voilà. Donc ici, on a les codes qu'on venait d'écrire. Les codes aujourd'hui dans le master interne. Mais voilà. Donc, c'est notre le menu pour aujourd'hui. D'accord? Donc, je vous remercie et je vous souhaite. شهيه طيبه.